c'est Dredri et on se retrouve pour la suite de notre espèce sur World of Final Fantasy. Alors la dernière fois on a essayé de voler un bateau pirate, mais ça s'est pas bien passé au final. Et maintenant donc on doit aller, on s'est retrouvé à la mer inférieure grâce à un bateau où on a dû descendre une énorme cascade. Mais Tama s'est amusé comparé à nous, bah on a pu avoir une crise cardiaque. C'est passé, on a aidé une petite tortue toute gentille, toute mignonne, qui est là-bas, donc un mini Kelon. Et quand tu sais que, ben en fait, voilà, c'était bien d'amande Kelon. Ouais, voilà, j'ai envie de dire, je m'attendais pas à quelque chose comme ça, franchement, mais au final, ben, c'était assez rigolo. Allez, go. Les mégalodons de la mer inférieure sont puissants. Il est sans doute possible de les vaincre, il est sans doute impossible de les craindre pour l'instant. Mieux vaut les éviter et revenir affronter quand Lain et Lan seront plus forts. Ok. Donc on doit éviter les mégalodons. Je trouve ça même bizarre que l'on peut pas les vaincre. C'est même très étrange. Ah, on s'est arrêté? ミラージュに船を壊されちゃってさ、泳ぐのは得意だからいいんだけど、ちょっと休みたいなって思ってたら、アダマンタイマイの上に乗ってる君たちを見かけたってわけ。でも、なんでアダマンタイマイに乗ってんの？旅は道連れじゃ。ゆっくりするがいい。ありがとう。でも、 ミラージュ使いってすごいんだね。アダマンタイマイともなかよくなっちゃうんだ。多分このタイマイさんが温厚なだけだと思うよ。ふん。あ、それでバブルエリアに行きたいんだっけ？それならあっちの方だよ。さてと。 Allez, on y go. Donc, il va faire gaffe aux mégalondons parce qu'ils sont de plus en plus rapides, hein. Voilà, on va passer comme ça, on l'a esquivé. Bah de peu, mais pas vraiment de très peu, mais de peu. Là on va attendre, voilà, qu'ils font le chemin là. Voilà, on a esquivé les gros mégalodons déjà. Les obstacles qu'on devait éviter. Alors, je sais pas s'ils étaient insurmontables à ce point là, mais bon, comme c'est marqué, vaut mieux éviter pour l'instant. Donc j'ai évité. Oh, Adam Kellon, il a l'air d'être surpris pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe encore? On verra bien. On avance et... on verra bien ce qui va se passer. ここまでありがとな。何？お安いご用じゃて。リュックも案内ありがとう。こっちこそ、休ませてもらってありがとね。リュックは、これからどうするの？ねえ、ちょっと行きたいとこがあるんだけど、あと少し背中に乗ってていいかな？ああ、もののついでじゃ。よかろうて。案がと。ということで、このままちょこっと元々の目的地まで
で行ってくる。わかった。気をつけてね。それじゃ。アダマンタイマーイ。いつか手に入れて呼び出すからな。さてと。Si seulement on pourrait l'appeler en combat, ce serait vraiment énorme. この先もミラージュの気配はプンプンなので十分気をつける。Voilà, comme ça. Donc là, à mon avis, je pense que c'est compté comme un donjon, ce truc. Voilà. Fallait s'en douter. Donc, de toute façon, il faut aller là-bas au fond, on dirait. Et donc, ben. Je peux pas monter là-haut. Et là-bas, il n'y a pas l'air d'avoir de coffre. Okay. Par contre, je me demande comment on peut monter pour aller chercher le coffre là. Il n'y a rien du tout. Bah, actuellement, on n'a rien pour aller chercher. Bon, bah alors avançons. Hein. On n'a que ça à faire pour l'instant. Gorge du dragon. Ah, ça sonne pas bon. Ça a l'air d'être simpliste et joli. Encore une zone enregistrée. Deux zones en si peu de temps, c'est rapide, hein. Maintenant, on est dans la gorge du dragon. Alors. Ah, il faut aller en face. Donc. T'inquiète. Cinq frisites. Alors, une acuité. Et une des autres mirages présents. Ok. Pas de soucis. Ok, j'ai plus la compétence de capturer. Ah ouais, d'accord, je suis une sorte de... Je suis confus, on va dire. Attends un peu. Allez, mais tu vas pas te laisser capturer ? T'es vraiment un petit con au final, hein. Eh, hey, mais me tape pas. Je suis gentil, moi. Elle l'a rendu confus. Mais tu vas arrêter. Alors, un œil ailé de teinte dominante rouge. Peut-être a-t-il la force de se frotter. L'œil. Ah non, peut-être a-t-il rougi à force de se frotter l'œil. Dans ce cas, il aurait bien besoin de collier. Mais cela lui coûterait l'œil de la tête. Ok. On a déjà un œil, mais bon, peut-être qu'il sera meilleur que celui-là qu'on a maintenant. Ah, il faudrait tester pour voir si c'est pas une de ses évolutions. Mais bon, au pire, si c'est dans le cas, il faudra les faire évoluer dans le nôtre. Ok. Bon, dans les deux cas, faut descendre. Ah, là, il y aura peut-être un coffre.
Ah, pour l'instant, il a des PV. C'est déjà ça. Bah là on gagne de l'XP là. Ensuite 3 super potions, donc ça c'est cool. Là on peut voler. Mais je crois qu'il faut casser quelque chose après. Dans le cas je crois que c'est pas bon pour nous à l'heure actuelle. Ah si là. L'autre, de l'autre côté, faut casser, mais pas là. Deux queues de phoenix. Voilà, là on peut passer par là. Et puis, bah, on va passer maintenant par là. Ensuite, notre but c'est de passer par la droite. Donc on va monter déjà là. Ah, voler. Oh, y'a un dragon. Oh, y'a un dragon. Ça, ça sent la merde. Ça sent vraiment la merde. Il est gentil celui-là. Allez. Oh, 1900. Voilà, déjà un de moins. Donc lui, il faut lui asséner un coup critique. Ah, il faudra, faut lui mettre le coup critique, hein. À chaque fois elle rate et pas l'autre. Bon bah tant pis. On reviendra quand on aura de quoi lui enseigner un coup critique. Au pire des cas. Pour l'instant on n'a pas de quoi lui enseigner un coup critique. 3 stabilisants. Mais on va dire que pour le stabilisant c'était pas worse au final. Ouais. C'était plus intéressant au pire des choses, peut-être de pêche ou ça. Oh, ils sont tout mignons ceux-là. Une alternation d'état. Non, mais je crois pas que j'ai de quoi l'infliger une alternation d'état. Je crois pas. À moins que j'ai peut-être quelque chose.
d'objets. Guéri de la lenteur. Ouais, c'est plutôt des trucs de guérison là que j'ai. Hein. J'ai rien pour mettre une... j'ai rien pour te mettre une alternation d'état mon petit. Je suis obligé de te mettre KO. Je suis désolé. Actuellement, on a rencontré quasi machin, mais de toute façon c'était obligé qu'il y ait des dragons. Donc de toute façon, là, il n'y a rien à se cacher. Ouais, attendez. Ok, on pourrait faire tout le tour, mais je pense que passer par là, ça servirait à quelque chose. Là, si on voit pas la vue, ça se trouve, il y a un coffre. Voilà. Là, on n'a pas le droit de regarder, c'est là où il y a le coffre. Et il y avait un coffre à droite. Ah, ta mère. Est-ce qu'on fait le tour et on y remonte? Ouais, allez, go. Hein. C'est pas une perte de temps tant que c'est un coffre à prendre. Ils sont tout mignons ces dragons, c'est abusé. Il l'a raté. On augmente bien de niveau, hein, mine de rien, franchement. Hein. Donc, on va passer à droite. De nouveau à droite. Encore là. C'était quoi? Deux remèdes. C'était sympa, c'est sympatoche. Et on va passer maintenant par là. Après, résistance élémentaire, ça c'est connu. Après, quand tu connais, quand t'as joué, t'as d'habitude des RPG. Mais voilà, plus on a de résistance avec des mirages qui ont de la résistance à ça, on sera plus résistant. Ce qui est logique hein, au final. Hein. Donc en vrai. C'est pour ça qu'avec Ifri, on craint pas énormément de dégâts aussi dû au feu. Hein. On va profiter de pouvoir taper lui le temps qu'il nous confie pas. Bah voilà. Voilà, bah oui, non mais si tu te mets maintenant plus à taper elle, on est clairement dans la merde, hein, j'ai envie de te dire. Hein. On est plus que dans la merde. Hein. Pour l'instant ça va, on gère bien. On avance tranquillou mollo. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'as faim, pourquoi? La fleur de du vuteuse. Non, ça j'en ai pas. Non, je voulais
peux pas voler de suite. Comme un con, instinctivement, j'ai appuyé sur croix. Ah, oh, purée. Là, il doit avoir un coffre, peut-être avec le truc du vuteuse. Non, le remède. Ok. 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 Oh! Pyramide de dragon! Ok. Ah, si on arrive à faire tomber sa pyramide, ce serait cool. Ouais, il est resté en feu ce con aussi. Hein. Au feu et à la faune, donc pour faire tomber pour faire tomber, il va falloir le frapper à voilà. Alors la pyramide du les pyramides dragons étaient vraiment classe, hein. Énormément cool, énormément classe. Mais là-bas, il y a juste un dragon, il n'y a rien d'autre. Ah, il y a un dragon, c'est tout. Il n'y a rien d'autre de spécial. Là, il y a quoi? Un coffre. Un dragon, non? Même pas. Et donc, l'endroit où on doit aller, par contre, je vois pas l'étoile. Ah, attendez. Ouais, ça se trouve, il faut descendre le long là. Et si on passe par là? Oh, le petit dragon! On va déjà taper le dragon électrique déjà. Ah, c'est une pyramide à côté. La pyramide est morte. Donc ça sert à rien pour l'instant. Donc si je disais, si on passe par là, on ferait le tour. Le tour où il y avait le cube, je crois, qui nous bloquait la route. Si je dis pas de conneries. À moins que c'était là-haut. Ah oui, non, c'était l'autre côté. Et donc, celui qui nous bloque la route, c'est si on va là-bas. Ok. Bah bon, bah nous, on va avancer là-bas, là-bas, là-bas. Hein.
Avantage de l'ennemi. Allez. On va te soigner parce que t'as plus rien. Ce qu'on tire, c'est qu'on va donner une petite potion. Et voilà. Et on fait tomber la pyramide tranquille. Comme ça, au moins. On est tranquille. Donc là, il y a un dragon. Et là, si on passe par là, il y a un chemin. Allez, on y go. Oh, il y en a même 3. D'ailleurs, au pire, on met Baltier pour une attaque haut. Mais pour l'instant, bah, on n'a pas ce qu'il faut. C'est cool. Voilà. T'as mis capoute ma petite laine. Ah, lui on peut peut-être le capturer, mais avant ce qu'on va faire. Objet, donc on va donner une super potion à toi, histoire que ça te remplisse beaucoup de vie. Voilà, comme ça au moins. Non mais t'as beau résister, de toute façon bah, je vais vouloir te choper, donc ça sert à rien. Ah mais tu vas arrêter de faire avec tes attaques de feu de merde, je te baffe. De toute façon je t'aurai, je m'en bats les steaks. Voilà. Il dit que je m'en bats les steaks, je t'aurai dans les deux cas. Voilà. Non. On peut jouer un peu plus tranquillou. Je sais pas combien il reste de PV, mais il a subi cher. Allez, toi t'es mort au moins.
Ouais, c'est moins des KO. Au moins, bah, on a eu le dragon. J'ai envie de dire le dragon. In the pocket. Et on a eu, en fait, c'est le dragon de foudre, mais en version plus grand. Cette créature de feu vit dans les gorges du dragon et possède une puissante puissance proportionnelle à sa taille. Ne nous fiez pas à son corps élancé, il envoie du lourd. On l'envoie à Seraphi. Bah, c'est cool. Ça fait quand même un petit dragon en plus pour Bibi. C'est déjà ça. Dans certains donjons, il y a des endroits où se cachent des millages rares. Il faut remplir certaines conditions ou activer les mécanismes pour les atteindre, ou vous devez parfois revenir plus tard. Ok. Waouh! Waouh, 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 attends, attends, t'as beaucoup de PV toi. T'es gros toi. On va devoir se régénérer un peu là. Allez, on y go. Ah, la musique, ça fait techno et tout, j'adore. Et allez mes amis, c'est la techno parade. Cerbère. 13 000 PV. Un monstre exé. Utilisez une attaque de feu, de glace ou de foudre. Attends, c'est de glace et de foudre. Ah mais j'ai pas de foudre. Ah, je suis dégoûté. Y'a pas moyen de fuir? Bon, on va revoir toutes nos trucs. Donc déjà on va utiliser quand même une super potion, on a ce qu'il faut en super potion. Donc déjà il fait pas de gros dégâts, il faut se le dire. Il nous faudrait donc un truc de foudre. Donc Tama, je vais compter sur toi parce que je crois que je peux te mettre un emplacement vide. Emplacement libre. Placer une nouvelle compétence, oui. Et tu peux apprendre un truc de foudre. Voilà. Donc logiquement maintenant, on peut affronter ce boss à la musique Techno Parade des années 2010. Donc c'est Techno Parade 2017 Dragon. Donc déjà, ce qu'on va commencer, c'est qu'on va t'infliger de la foudre. Voilà. Ensuite, on va faire un Nandoglace. Donc, t'as eu Nandoglace, t'as eu foudre. Donc en attendant, on va soigner au moins lui. Et on va te faire un Nandofeu. Yeah.
attaquer. Ifri. Yes. Yeah, du premier coup. Un millage exé. C'est mon premier millage exé. Une redoutable créature dotée de trois têtes qui utilise des sorts des trois éléments de base. Son nom n'est pas sans rappeler l'arme de prédiction d'un certain Vincent. Mais c'est une simple coïncidence. Le prendre dans l'équipe, mais grave! Il peut servir de monture, vous pensez? Parce que s'il peut servir de monture, ce serait pas mal. Bah pour l'instant, on va enlever le mini-lodon. Mais est-ce qu'il peut servir de monture? Les millages sont des... les méga-millages sont des millages très puissants, qui ne peuvent pas faire partie d'une formation. L'âne et l'aine doivent les invoquer ensemble et utiliser leur PA en même temps. Vous pouvez renvoyer le méga mirage quand vous voulez, mais vous ne pourrez pas l'invoquer à nouveau immédiatement. Les méga mirages sont énormes. Lorsque vous invoquez un, les mirages dans votre équipe retournent temporairement dans leur prismalite. Un méga mirage combat à vos côtés jusqu'à temps qu'il soit KO. Mais. Ou jusqu'à ce que l'âne et l'aine n'aient plus de PA. Souvenir de Cerbère. Ok. Fleur duveteuse. Ah mais c'est ce que voulait la... Le caillou le gros caillou, le golem. Voilà, on va y aller. On va y aller à dos de Cerbère hein. C'est plus rapide hein. On a notre premier méga mirage. One get pistouflé. Je suis trop heureux. Je suis heureux. Alors là, je suis méga, mais méga heureux. Clairement. Oh, bon, on va l'invoquer, de toute façon, c'est obligé. Alors, donc, menu. Méga millage, Cerbère. PA. Ah, il faut 12 PA. Ok, donc faut vraiment combiner nos PA. Bah on l'invoquera dans le prochain épisode si on n'a pas le temps de l'invoquer. Contre un boss ou quoi que ce soit. Mais on va lui augmenter de niveau. Ça c'est clair et net. Celui-là il doit être niveau 1 si je dis pas de conneries hein. Cerbère. Voilà, il est monté de niveau 1 au niveau 6. Et bah c'est cool, c'est notre premier méga mirage, je suis pas mécontent. Clairement. Attendez. Oh putain, il faut passer par là. Voilà. Et ça se trouve cette fois-ci, ce sera vers la gauche, non? Vers la droite, je veux dire, ouais. Il y a un coffre vers la droite. Ah non, c'était encore de nouveau vers la droite tout à l'heure aussi. Bon, c'est pas grave, il y en a un vers la gauche par contre, là, tant pis, j'ai envie de te dire. Ah, j'ai envie de te dire non, pas tant pis parce qu'il faudra passer vers la droite, il faut passer vers la gauche. Ils sont pas sérieux là. Le vide complet. Tu pourrais même entendre les mouches péter. Non mais c'est vrai hein. Les mouches pourraient péter, tu les entendrais direct. C'est abusé. Alors on peut passer par là. Ensuite on peut passer par là.
ensuite passer par là, prendre mon behemoth et passer par là. Il est long le chemin, mais il est long le donjon, mais ça qui est bon. C'est ça qui est bon quand les donjons sont longs, bah c'est ça qui est bon. Donc, il y a un point de sauvegarde là-bas, donc ça veut tout dire. Allez, amène-moi. Nickel. Au moins Tama a pris un sort de foudre et ce qui a permis de nous avoir le millage exé. Donc au moins ça c'est cool. On monte au galop en tourlotinant. Bah là on pourrait l'invoquer. Là on pourrait l'invoquer si on veut le millage. Allez, on invoque le méga mirage, sachant qu'après il y a un point de sauvegarde. Méga mirage, Cerber. Ah ouais, non mais il a pas résisté longtemps, il reprend vraiment mon total de PV quoi. Ah non, il prend pas mon total de PV, qu'est-ce que je dis, il prend les PV. Ouais non, il sert à rien là, clairement, il a pas assez de PV. Faut que je l'augmente de niveau. Il a à peine 800 et j'étais pas full PV. Donc on dirait qu'il prenait aussi mon total de PV parce qu'il était pas full vie. Donc ce qui est un peu con, on va dire. Ça je savais pas, je croyais qu'il aurait eu ses total de PV à lui tout seul. Mais en fait non, ça combine aussi mes PV. Bon bah on a pas le choix de le faire la prochaine fois. C'est pas grave. On va l'augmenter de niveau déjà. On va l'augmenter de niveau le méga mirage. Ouais, bon là il était KO donc il a pas servi. Mais bon on le sera pour la prochaine fois. Clairement on le sera pour la prochaine fois. On va se laisser là les amis. Moi je vous dis n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et puis on se dit à très bientôt et à la prochaine pour la suite de World of Final Fantasy. Ciao ciao Mina.